Orthus Focus. Alors, moi, je suis le docteur Laura Simon, je suis médecin vasculaire et je travaille en lymphologie à l'hôpital Cognac-Gé. Je suis madame Bouxin, donc je viens en stage à Cognac-Gé depuis 6 ans pour un lymphœdème du bras. Docteur, l'usage thérapeutique d'un jardin, ça se passe comment ? Alors, nous, on l'utilise essentiellement dans le cadre de notre programme d'éducation thérapeutique. Anne est hyper impliquée, elle a fait une formation d'éducation thérapeutique, donc c'est venu aussi d'elle. C'est venu presque spontanément parce que le jardin à Cognac-Gé, ça fait vraiment partie de l'hôpital et on voulait vraiment en faire quelque chose de commun, quoi, qui serve aux soins. Et puis le jardinage, ça revient très fréquemment chez nos patients. On a un programme qui est à destination donc des patients qui ont un lymphœdème primaire ou secondaire. L'idée, c'est via le jardin de leur réapprendre à avoir des activités physiques, de reprendre les activités de la vie quotidienne. Et donc, on a un atelier jardinage où il y a plusieurs activités, où ça peut être du rempotage, des créations florales. Il y a un parcours aussi, il y a un parcours dans le jardin pour découvrir les différentes espèces, parce qu'on a beaucoup de plantes différentes dans ce jardin. Et ça permet du coup de reprendre en douceur. Ça permet de se rendre compte pour les patients qu'on peut le faire, que c'est pas interdit. Parce qu'on dit souvent que le jardinage c'est dangereux, on peut se blesser, parce que quand on a un lymphœdème, surtout au niveau du bras, le risque c'est de faire des infections. Et que du coup le jardinage c'est souvent quelque chose qu'on leur dit d'arrêter avant d'arriver ici. Moi on m'a toujours dit aussi, faut pas faire de jardinage parce que vous pouvez vous piquer avec un rosier ou vous couper ou quoi que ce soit. Mais quand on prend les précautions qu'il faut, soit pour mettre un gant ou soit quelque chose, bah chez moi je le fais. Pour les ateliers, bah c'est bien aussi, ça nous apporte plein de choses. Et puis on apprend des choses aussi qu'on ne connaissait pas non plus. Souvent c'est une activité qui manque à beaucoup de patientes et à beaucoup de patients. Parce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de leur quotidien et puis et de reprendre ici en groupe, ça leur permet de se rassurer. Et je pense que c'est important psychologiquement de voir qu'on peut le faire et puis surtout dans un cadre comme le nôtre. Je pense que le jardin, globalement, il y a quand même un rapport à la nature, on est à l'extérieur, on ne se sent pas dans un cadre hospitalier en fait. Et c'est hyper important, je pense, pour se sentir plus libre et progresser plus vite. Quand on descend dans le jardin, c'est apaisant. Et ça fait du bien parce qu'on entend l'eau couler, il y a des fleurs qui sont magnifiques. Enfin, c'est un cadre qui détend, enfin moi personnellement, qui me détend. Et comme j'adore le jardinage, quand je viens ici, ça me dérange pas parce que je sais que je peux sortir dans le jardin, aller voir, il y a les poissons. C'est vraiment très très agréable. Depuis quelques temps. Il y a plus de petits coins. C'est des petits coins où on peut être tout seul si on veut, ou même avec un petit groupe. C'est pas comme une hospitalisation. Pourtant, je viens 15 jours, mais le temps passe très vite parce que je m'ennuie pas. Est-ce que vous avez le sentiment que ça permet des relations différentes entre les patients ? Je pense aussi. Je pense parce qu'il y a des gens qui sont, qui sont très stressés. Et à la fin de leur séjour, ils sont un petit peu moins stressés parce que justement, il y a l'apaisement de ce parc. Et puis, il y a plein de sortes de fleurs, d'arbres qui sont marqués en plus. Il y a il y a même des fraisiers, il y a des tomates, ils font plein de choses justement, donc qu'on peut manger en plus. C'est ça qui est bien. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on découvre des plantes qu'on ne connaissait pas. Il y a un vrai but pédagogique. Voilà. Moi, j'ai mes petits-enfants qui viennent parce qu'ils veulent voir le jardin aussi.